Bonjour YouTube, ici Amir de Marmotte en direct d'une rediff Twitch. Voilà, c'est comme ça, c'est une rediff. J'espère que vous avez bien aujourd'hui. On est ensemble pour le deck prêtre de Colento avec lequel il a atteint en ce jour du 18 juin 2017 le rang 1 légende et non pas l'appel du général. Donc c'est le rang 1 légende et on va jouer un deck qui peut être assez agressif. Le but du jeu c'est de faire une grosse value et de bolosser l'adversaire le plus vite possible avec une grosse créature, esprit divin, feu intérieur, tout ça tandis que l'adversaire va pouvoir nous rouler dessus. Et du coup vu qu'il joue Maiev, enfin on joue contre Voleur Quest. C'est toujours, alors ça c'est sûr à 100%. Quand votre adversaire a Maiev, il joue Voleur Quest, et quand votre adversaire a Valyra, il joue Voleur Miracle. C'est un adage qui fonctionne tout le temps. Ça ne peut jamais se tromper. Ah, il y a notre petite dague. Et on a Jifa qui sub à l'armatime, merci Jifa. Le garde de lumière en plus. On met le petit mot de pouvoir bouclier pour protéger un peu notre créature. On va dans le Smork. Et on va voir comment ça joue au prochain tour. A chaque heal, elle se booste. Elle est dure à aller chercher pour un voleur quest car 4 points de vie, c'est un peu la violence. Ça peut toujours faire des combos. Si jamais on pioche le pyromancien, le cercle de soins. Donc le rien de posé. Pas de pièce. Il a juste fait le cercle des moissons infinies. On va en priorité poser notre prêtre des serres pour à nouveau doubler ses points de vie. Du coup, ça commence à mettre une bonne potion à l'adversaire. En cas de feu intérieur bouclier divin, ça peut faire pouf 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 pouf. Elle a défoncé d'ici quelques tours. Allez, le fief formant qui arrive. Le neneuil également. Et là, il me fait silence dessus. Et là, je rage de ouf. Ah ouais! C'est pas très très gentil. Heureusement que j'ai la deuxième en main. On va voir ce qu'il va jouer déjà. Cercle de soins serait cool. Et on va essayer d'aller chercher le fifé fort bon bien sûr. Je vous dépose. Allez, le passeur. Et on récupère le cercle de soins prévu. Donc on peut faire ceci. Oh c'est incroyable. Ceci, oh c'est beau. Ce petit trait des familles. Le petit cercle soin qui fait plaisir. On est un rampeur du goudron. On a également un deuxième cercle de soin. Bon, on n'a pas de pyromancien. Et on bourre à 5 dans la face. Donc ça se met bien. Pour l'instant, ça se met plus que bien. Et ça, c'est cool. Allez, nommer un fifé forban numéro 2. Que Tortola nous préserve. Un taunt. Pour l'instant, on peut aller. C'est moi. Under pressure. Donc on peut faire ceci. On peut faire ceci. Alors vous allez voir, ça va vous étonner. On fait ceci. On fait. Et avant tout, c'est gratuit. Ceci. Ah, une vision de l'ombre. Un pyromancien. C'est dommage qu'on ait plus de cercle de soin dans le jeu. Et on a Lyra. Donc on a 11. On est à 11. On peut faire cet élémentaire radieux quand même. Ce petit 10 démon. On va mettre 11 dans la gueule de l'adversaire tout simplement. Voilà. Il a fait deux fiefs et forbans. Mais surtout, il a 11 points de vie. On a un full board. On va lui rouler dessus. Enfin, j'espère qu'on va lui rouler dessus. Et surtout on a setup un bon gros létal. Donc là il est sur le tour 6, c'est le tour. Normalement il fait sa quête et où il la pose. Mais regardez le board qu'on a. Allez, refaire un fifé forban et donc il essaie de trouver des solutions. En prêtre, miskin. Et voilà, il fait un pas de l'ombre, il va le rejouer. Il va pouvoir faire proc sa quête, il va même pouvoir faire prep et des créatures. Mais vu qu'on a posé énormément de monstres, qu'on a encore la combo esprit divin vision de l'ombre, il y a une forte proba qu'on arrive à mettre 11 points de dégâts. Surtout que cette créature qui est en 7 peut être relou pour lui. Il a le noyau de cristal. En tout cas, il y a grosse réflexion. Ça réfléchit, ça joue sa vie. Allez, l'ingénieur novice, du coup, il y a. Moi qui est prêtre. Moi qui est prêtre vanish, on a. Moi qui est prêtre disparition. Oh, on a gagné. Oh, les. Je veux dire, moi qui est prêtre disparition, c'était le smork et on l'a smorké. C'est ce qu'on voulait. Le smork s'est bien passé. Très bien. On va dans sa tête.
Alors j'aurais bien entendu pu grid pour avoir. J'aurais pu bien entendu grid bientôt pour avoir faire le bouclier, l'esprit divin et le feu intérieur. Mais le problème qu'en faisant ceci, s'il avait prep plus disparition pour remonter toutes mes créatures dans ma main, bah, en fait j'ai plus de setup de l'étal en deux tours. Alors que là, même si vous remontez tout, je peux reposer un full board et derrière recréer un moyen de le tuer au tour suivant. C'est pour ça que j'ai tout conservé. T2, T3, T4, c'est bon, notamment en prêtre. On aime bien être curvé, surtout avec un acolyte de la souffrance. Ça c'est cool. Allez, le soin de lien complètement inutile. Salutations. Redire bonjour parce qu'on est poli. Salutations. C'est parti, donc élémentaire radieux. Ça fait proc une. Ça fait proc un élémentaire de douleur, un mot de l'ombre douleur s'il l'a. Du coup ça donne plus de chance à mon acolyte de souffrance de survivre. Et donc c'est cool. Il était une fois. Ok, biographe dédain du néant. Donc pas du tout, n'est-ce pas? Et en fin de tour, on va jouer la côte de la droite. On va pas prendre le trade, parce qu'en fait, là, en cas de potion, si je trade, il peut double trade avec une potion de folie, alors que là, même en cas de potion de folie, s'il veut taper là-dedans, bah, ma créature reste en vie. Dutchman. Qui va donc du coup, est-ce qu'il fait cette potion de folie ou pas? Sachant qu'il n'y a plus de mot de pouvoir, il n'y a plus de vélène, il n'y a plus de trucs comme ça. Je dois réfléchir. Allez, en tout cas il réfléchit. C'est la réflexion est là, intense, totale et radicale. Il a récupéré un dragon vous et il fait un prêtre au cerf de la cabane. Ok. Pas dramatique pour nous, parce que ça nous fait pas mal de play intéressants. On a Lyra qui sera bueno pour plus tard. On peut faire vision de l'ombre maintenant d'ailleurs. Ou alors on pioche déjà une carte. On va déjà piocher une carte. Faites-moi mal. Ok, garde lumière. Le problème de garde lumière sur ce board, c'est qu'elle se fait instantanément imploser. Et que tranquillement, on va juste faire cet accueil de la souffrance. Ou alors ce prêtre du festin, qui est mieux dans la curve. Sachant qu'en cas de potion de folie, dans tous les cas, ça change pas grand-chose. On va jouer. Ça va être tout simplement mieux si jamais on a le bon goût. Si jamais on a le bon goût de piocher. Piocher un mot de pouvoir à un truc de bouclier, ça fera un plus gros monstre très vite. Soin de lien, plus aucun intérêt maintenant de le faire là parce que c'est la potion de folie pour le trade là-dedans, whatever. Ça va être tendu. Allez, 4 mana, ça réfléchit de ouf en face. Ah, le drake du crépuscule. Ok. Donc là, juste trade la meilleure carte, laissez tranquille les autres. Alors on va repiocher une draw. On est bien, on est là pour ça. On va pouvoir taper là-dedans, mettre un petit Dismon et on va protéger ce prêtre du festin. On va essayer de faire un peu de value pour l'instant. Et très content de la collette qui va faire le taf de triple draw. Le tout maintenant c'est de réussir à prendre à un moment donné le contrôle du board d'une manière ou d'une autre. Sinon on perdra assez vite. Le mot de l'ombre douleur qui est utilisé. Ok, donc il pourra aller chercher le prêtre du festin si le désire. Donc petit misplay adverse, fallait commencer par l'élémentaire radio bien entendu pour avoir mana supplémentaire. Ah et le maxi trade qui est pris. Il y en a qui prend des maxi best-of, moi je prends des maxi trade. Ok, potion de folie est bueno ici. On nous permet de prendre l'élémentaire radio et d'aller bolosser le Drake et ça c'est cool. On va qui plus est faire un rampeur, faire un soin sur la colline pour continuer à toucher. Et on récupère un cercle de soins. Ok, donc on a récupéré beaucoup de draws avec cet acolyte. On a déjà fait draw 3 fois, il est encore en vie. Le problème c'est que pour l'instant on a que des petites cartes, pas de grosse gestion ni de trucs pour jouer à d'éventuels drakes. Potion de votre agonique qui part directement juste pour un board aussi faible, ça me va bien. Et on va se soigner. Alors on peut avoir double warden. Ouais. Je suis pas forcément convaincu, je préfère mettre une warden et un mot de pouvoir bouclier là-dessus pour pouvoir continuer à piocher avec. Cette fois-ci, on a le. Waouh! Est-ce qu'il a pas utilisé. Il a déjà utilisé la pièce ou pas? En fait, est-ce qu'il a utilisé la pièce? S'il a pas utilisé la pièce, mettre double warden est terrible parce qu'on peut se prendre le Drake. Et le Drake, on n'aime pas. Mais s'il a pas fait. S'il a déjà fait double warden. On peut faire double garde, s'il a déjà fait la pièce, on peut faire double garde lune. Et du coup derrière ça peut faire un tour complètement dingue avec le pyromancien.
Elle cercle de soins. Le truc, c'est que je me rappelle pas qu'il utilisait la pièce à un moment donné. Je dirais qu'il l'a encore. Ça qui est terrible, je pense qu'il a encore la pièce. Après, il a peut-être pas le Drake non plus. Après, le matchup n'est pas bon. Si set up un Drake, on est vraiment dans la merde. Donc, on va prendre le all-in. On va prendre, comme on dit dans le milieu, le winning play. On va prendre le winning play. Et prier qu'il n'ait pas la. Qu'il n'ait absolument pas la. Le Drake. Donc, a priori, il n'y a pas de Drake. L'ambiancement va pouvoir être total. Donc, il ne peut plus faire pièce Drake. Là, on va peut-être pouvoir s'ambiancer. Ah merde, potion de folie. Ok, potion de folie. Il va. Le truc, c'est qu'il la sacrifie pas. C'est l'avantage, c'est que ma garde lumière, mes créatures n'ont qu'un fort. Dans tous les cas, ma garde lumière va survivre. Même si là, il peut. Ah merde, il va trade les deux ensemble. Mais à coup de pas. Allez, il balance encore une pièce. Et un deuxième Drake du crépuscule. Ok. Bon, le plan n'est pas passé. En même temps, je pouvais pas y faire grand chose. On va prendre Yoshi comme carte. On a le feu intérieur qui pop. Elle a déjà fait un mot de l'ombre douleur. Lyra se fait Lyra à un seul spell, par contre, c'est un peu dommageable. Cette magnifique créature. On repioche. Ok, mettre l'homme blessé, cool. Parce qu'en fait, ça nous donne triple draw pour 0. Et triple draw pour 0, dans tous les cas, c'est bien. Ça peut pas être mauvais, triple draw pour 0, cherchez pas. Ok, deuxième cercle de soins. Et on va pouvoir mettre une vraie pression à l'adversaire en faisant directement esprit divin là-dessus. Ça met une vraie pression parce qu'en fait, une créature qui a 14 points de vie, il peut pas la gérer. Et il se dit, merde, si un deuxième esprit divin, je meurs. Ce qui est vrai. Ah, en tout cas, on. Ok, argent draconide. Il va chercher un truc pour avoir du taunt to what, mais il n'y en a pas dans mon jeu. Ah merde, il le met à 14-14, mais il n'a pas la mana pour faire mot de l'ombre mort. Il lui manque un mana. Ah, il a plus la pièce, il a tout au précédent, du coup il peut plus faire mot de l'ombre mort. Son plan ne marche plus. Donc ça me va. Il vient de se rendre compte qu'il a misplay. Ça, c'est la gueule du mec qui a misplay et qu'il le sait. Oh mon dieu! Oh mon dieu. On peut pyro en. Non, pas pyro. On va vision de l'ombre pour avoir le deuxième esprit divin. On l'a. On lui met le petit bien joué des familles. Et voilà, RHQ8, la concession. Et on gagne. Ouh. Allez, 2-0. Une vidéo de type qualitatif. Comme quoi, en réfléchissant bien, on a réussi à faire assez de value et à mettre l'homme blessé qui restait en vie. Ça nous a permis d'aller souiller l'adversaire. Et ça fait plaisir. Nice. Nice, nice, nice. Non. En duo contre Jaina. Normalement, Jaina est un bon matchup. Mais c'est pas parce que c'est un bon matchup Hearthstone qu'on va la gagner. On va keep la potion de folie et le prêtre du festin. Ce qui nous fait du très très lourd. Allez, et la fin de tour. Allez. Donc là, de mana. Bah, la fin de tour, on va certainement pouvoir faire potion de folie ou accoler de la souffrance au next turn. Ce qui fait juste un petit ping, tout gentil, tout doux, tout mignon. Donc on va partir sur l'accro de la souffrance. On va surtout pas que le maître l'homme blessé se fasse défoncer. Ça part sur l'accro de la souffrance. On va voir ce qu'il va jouer. Allez, ça part sur l'éclair. Il va dans ma gueule. Je prends mes deux. Je pioche ma carte. On va pouvoir mettre le prêtre du festin. Pour l'instant, et on va voir pour la suite. C'est vrai qu'il n'est pas la boule de feu. Même si c'est la boule de feu, vu qu'on a le maître l'âme blessé, on préfère mettre l'âme blessé plus un soin dessus. Il devrait pas avoir d'autres gestions avant le l'infâme portée terre du feu du tour 6. Elle a pas encore pièce. Ça va arriver, ça a l'air de réfléchir. Que faire, que faire. Ok, messagère de la cabale, on pourra prendre un bon trait, donc tant mieux. Des cristaux.
On va voir combien il va me mettre. Aïe. Ok, hey, parfait. Donc ça pourrait permettre de prendre ce trade. Derrière, on fait tranquillement le maître l'homme blessé. On le booste tranquillement en point de vie. Et on va mettre ce petit mot de pouvoir bouclier là-dessus pour la protéger. J'ai pas eu envie de faire poisson de feuille tout de suite parce qu'il joue énormément de créatures à 2 de force et moins. Et ça me paraissait un tout petit peu prématuré de vouloir le de vouloir détruire tout de suite les deux créatures. Sachant que vu qu'il a pas pu détruire la papure de boule de feu, c'est pas forcément évident qu'il puisse mettre suffisamment de points de dégâts sur une des deux monstres. Alors, Elmo, il a là ses trois cartes en main, il réfléchit. Et ça part sur Hospice Funeste. Oh. Ah. Et la Nova, qui fait beaucoup moins plaisir. Aïe, aïe, aïe. Alors, je ne peux rien faire à ce tour. Enfin, si, c'est pas que je peux rien faire. Je peux genre faire potion de folie, mot de pouvoir bouclier, esprit divin et défoncer ça. Mais ça ne servira pas à grand chose vu qu'au final, j'aurai plus de monstres. Enfin, de lui donner un maximum sur le prochain tour, on va laisser tout mourir. Et on va devoir peut-être tenter un plan Lyra, Éclat, Esprit Divin sur le T8. Dommage, dommage. Allez, le limon glouton et l'ensorceuse du culte. Un pyro serait nice. Pas du tout de pyro. On va juste mettre une 3-4 histoire de dire qu'on a une présence sur le board intéressante. Pour pouvoir un peu se défendre. Hmm. Oh, Leroy Jenkins! Allez, c'est le moment de choper un pyromancien, ça va commencer à être compliqué sinon. Presque un pyromancien. C'est un pyro. Pyro à rien, ouais. Ah, il arrive maintenant. Oh! Pim pim. Je traîne même pas ça. 6, 9, 12. Après, je prends tellement en fait. C'est juste que je prends juste trop. Vous aimez jouer avec le feu ? Il n'y a pas d'autre choix. Au moins, j'ai du poulet. Enfin, si j'avais SF, j'avais un autre choix aussi. J'avais un autre choix, j'avais aussi moyen de faire un feu intérieur là-dessus. Et après, potion. Ah non, ça marchait pas bien. Oh, la 4-4. Allez, c'est parti, Lyra. On peut faire du coup cette potion de folie à ce tour-ci, ce qui est pas forcément plus déconnant. Une potion de folie, très content. On va faire l'esprit divin également. Ouais, c'est pas les deux points de vie qu'on va lui rendre qui vont changer grand chose. Soin de lien qui est cool. Bon, on a nos, il a une 4-4, on a notre 3-10, on espère surtout que la 3-10 survivre. Elle se part sur un glyph, pour l'instant il n'y a pas de clean de Lyra. En tout cas j'espère. Ah, le météore, ah, on tue Lyra au météore, on en est là. Ça respecte plus grand chose. Il met un secret qu'il a récupéré du glyph, du coup je n'ai pas d'indication sur le secret que ça fait. Alors on va tenter la dissipation de menace. Une carte. Ah, c'est les pires draws que je récupère là. Ça va être tendu, pour ne pas dire autre chose. Je prends le point. Une explosion de là, de feu aussi dans la gueule. Allez, un rampeur, très bien, on commence par la claire. Le rampeur. On se soigne. Et on fait la fin de tour. Allez, ça part sur un choc de flammes supplémentaire. Ouais, ça commence à faire beaucoup là. Ça commence vraiment, vraiment à faire beaucoup. Aïe. Allez, c'est parti, pyromancien. Vous aimez jouer avec le feu. Je peux faire ça. Il est à 30, je suis à 14, j'ai plus de soins. Ça sent la PLS. Ça sent grave la PLS. Ah, le fait de le metteur sur Lyra m'a tué.
Ok, boule de feu. Boule de feu. Un ping, et je suis mort au prochain tour. Ouais, dommage. Dommage, dommage, dommage. Trop de cartes en face, rien à faire. Et GG à lui. Bon, écoutez, de victoire et de défaite, c'est une bonne vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous à demain sur ma chaîne. Torque Marmotte, sur ce. Au revoir.